Elle entend, deuxièmement, à bien des égards, s'ériger en modèle à suivre, de même qu'elle entend préserver son modèle contre d'éventuelles atteintes. Et puis, enfin, elle fonde son exceptionnalité sur des valeurs. Alors, se pose alors la question de savoir la manière dont l'Union européenne va appréhender l'extraterritorialité au regard de sa conviction d'être exceptionnelle. Alors, ça a déjà été très bien dit ce matin et j'aurais bien du mal à faire mieux. L'Union, elle appréhende cette extraterritorialité aussi bien de manière active que passive, de manière active en recourant à certaines formes d'extraterritorialité et de manière passive en essayant, en tout à tout le moins, de se défendre contre des mesures extraterritoriales. Alors, ainsi, on peut appréhender l'extraterritorialité au concept à travers le concept d'exceptionnalisme européen en tant que cette extraterritorialité peut aussi bien constituer un vecteur de projection des valeurs qui fondent l'exceptionnalisme et en même temps parce que l'Union, en réagissant à l'extraterritorialité, eh bien, va essayer de protéger, de préserver un certain modèle. Alors, j'aborderai uniquement le premier point dans le cadre de cette intervention orale pour ne pas dépasser mon temps, parce que j'ai bien compris que Madame la Présidente serait très sévère avec moi. Et donc, je vais essayer simplement de voir la manière dont l'Union européenne recourt à l'extraterritorialité comme vecteur d'affirmation de son identité, en me concentrant du coup uniquement sur les cas où l'extraterritorialité va véhiculer des valeurs de l'Union européenne. Et puis à partir de cette pratique de l'extraterritorialité, j'essaierai de redéfinir un petit peu le contenu de l'exceptionnalisme européen. Alors, premier point de cette intervention, l'extraterritorialité me semble être un vecteur, mais un vecteur prudent de cet exceptionnalisme européen. Ici, je vais évidemment reprendre beaucoup de choses qui ont déjà été dites ce matin, en constatant tout d'abord que, incontestablement, l'Union recourt à certaines formes d'extraterritorialité. Alors certes, elle ne le revendique que rarement, et sans doute que parfois, on peut discuter du caractère véritablement extraterritorial de certaines mesures. Cependant, et je rejoins notamment la remarque qui avait été faite par Patrick Jacob par écrit ce matin, il est indéniable que certaines mesures dont on aurait sans doute tendance à ne pas les qualifier d'extraterritoriales, si je me place du point de vue des tiers, vont être perçues comme telles. Alors, on retrouve ici un peu dans l'attitude de l'Union, une attitude qui n'est pas si différente de celle d'ailleurs qui a été identifiée dans le rapport Berger-Lelouch concernant la pratique américaine, où on montrait bien que pour beaucoup d'acteurs américains, il n'y a pas d'extraterritorialité. D'accord? On dénie toute extraterritorialité du droit américain. Alors, pour en revenir à l'Union, et ça a déjà été développé ce matin, l'Union, elle recourt à certaines formes d'extraterritorialité dans de multiples domaines. Pour ceux qui nous intéressent, ceux où on peut essayer de les charger de valeurs, on mentionnera évidemment la protection des données personnelles, on a évoqué le RGPD, on a évoqué la jurisprudence de la Cour de justice, Google Spain, Schrems 1, Schrems 2. On a évidemment les sanctions imposées dans le domaine des droits de l'homme, et j'en dis pas beaucoup plus parce que ça a déjà été un peu abordé ce matin, puis ce sera à nouveau développé par Patrick Jacob tout à l'heure. On a ici effectivement des formes d'extraterritorialité si on considère que l'Union va porter une appréciation négative en l'espèce sur le comportement d'un tiers qui se trouve sur le territoire d'un État tiers, bon, même si in fine, il y a des mesures qui sont prises, elles vont s'appliquer territorialement dans l'Union. Et puis, on pourrait également revenir sur les questions environnementales, notamment s'agissant du mécanisme de marché carbone, d'émissions de gaz à effet de serre, avec notamment la REATA. Alors, parmi donc les outils à disposition de l'Union, dans la boîte à outils de l'Union pour affirmer sur la scène internationale son exceptionnalité, figure donc bien l'extraterritorialité. Cependant, et là aussi ça a déjà été soulevé ce matin, incontestablement, l'Union, elle se montre extrêmement prudente. Et afin d'illustrer cette prudence, je vais prendre trois exemples, mais je vais m'attarder sur un seul parce que les autres ont déjà été développés. Premièrement, s'agissant des sanctions, on l'a dit, les lignes directrices de l'Union européenne en la matière prévoient bien que l'Union s'abstiendra d'adopter des instruments législatifs qui, par leur application extraterritoriale, violeraient le droit international. On va donc préférer d'autres mécanismes pour assurer cette effectivité, notamment l'invitation faite aux tiers de reprendre les sanctions infligées par l'Union. Deuxièmement, dans le domaine du numérique, et ici je ne pourrais pas dire bien mieux, puisque en plus je connais bien moins le domaine que ce qui a été dit par Frédéric Michéa ce matin,
La jurisprudence de la Cour de justice se montre assez frileuse. On pense aux arrêts Google contre CNIL, Glavichnik récemment, le législateur aussi. Et donc, on a très clairement une extraterritorialité à travers le RGPD, mais qui reste prudente et puis avec une tentation peut-être de se défausser un peu aussi sur les États membres. Enfin, et c'est l'exemple que je développerai, on le retrouve aussi s'agissant du commerce des biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale ou la torture. En effet, ce règlement qui a eu multiples versions, le dernier en date étant celui de 2019, le règlement 2019-125, prévoit l'interdiction de commercer avec des États pour s'agissant de matériel qui pourrait être utilisé pour infliger la peine capitale ou la torture. On sait notamment que c'est en raison de l'application de ce règlement qu'aux États-Unis, on a eu un arrêt de fait des exécutions pendant plusieurs mois parce que les États-Unis se fournissaient principalement auprès d'États membres de l'Union européenne. Alors, ce règlement, il prévoit notamment, à son article 32, un réexamen d'accord, de ce mécanisme qui doit faire l'objet d'un rapport de la Commission, rapport qui est sorti en 2020, et où il est question notamment de l'extraterritorialité à travers l'interpellation de la Commission par deux associations, par deux ONG dans le domaine des droits de l'homme, qui évoquent la nécessité d'appréhender, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, le cadre ressortissant de l'Union, ou plutôt d'États membres de l'Union, et même la Commission d'ailleurs parle de ressortissants de l'Union, ce qui est sans doute un lapsus, on dit qu'il faudrait appréhender le cas des ressortissants de l'Union qui exercent leur activité en dehors de l'Union et qui fournissent par exemple des services de formation en matière de sécurité, à des États peu recommandables, ou encore appréhender l'hypothèse de sociétés qui vont organiser ou participer à des salons ou à des expositions consacré aux armes et à différents mécanismes possiblement utilisables pour torturer les gens, lorsque ça se situe dans des États tiers. En effet, sur ce point-là, l'article 8 du règlement interdit la tenue de ces salons dans l'Union européenne, mais ne prévoit pas l'hypothèse d'interdire la participation de ressortissants d'États membres lorsque ça se déroule à l'extérieur. Et alors, la réponse de la Commission à cette interpellation, elle est tout à fait, je pense, symptomatique d'accord, de cette prudence, en disant bien que le traitement de ces questions pose des difficultés en droit international. En principe, la compétence est d'ordre territorial, sauf exception. Alors, elle dit oui, certes, il y a des exceptions particulièrement pertinentes en l'espèce, et elle évoque notamment la compétence universelle en matière de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture. Cependant, elle ajoute immédiatement qu'il faut examiner soigneusement les décisions unilatérales d'exercer cette compétence ou non, et en définitive, elle préconise plutôt d'utiliser d'autres moyens pour maximiser l'effectivité de ce règlement. Alors, ces différents éléments, et celui-ci en particulier, m'amènent à me poser la question de savoir pourquoi l'Union européenne se montre prudente, et en essayant de répondre à cette question du pourquoi, en se demandant finalement si ça ne vient pas nous renseigner, nous informer sur le concept même d'exceptionnalisme européen. En quoi cette pratique prudente nous renseigne notamment sur le contenu de l'exceptionnalisme européen ? Alors, sur ce point, et j'irai très vite parce que mon temps de parole est bientôt épuisé, si je ne me trompe pas, en disant qu'on peut envisager cette prudence, à mon avis, de deux manières, qui s'excluent d'ailleurs pas forcément l'une et l'autre. Premièrement, première manière, c'est de considérer que l'attachement de l'Union européenne au multilatéralisme et au respect du droit international, cet attachement serait alors partie intégrante de la définition même de l'exceptionnalisme européen, ferait partie intégrante des valeurs qui fondent la singularité de l'Union européenne sur la scène internationale. Alors ici, effectivement, il y a une assise pour cette première idée avec évidemment les dispositions du traité sur l'Union européenne. On a parlé ce matin, 3 paragraphes 5, 21. On le retrouve dans tous les documents d'orientation sur l'action extérieure de l'Union européenne avec un soutien constant au multilatéralisme qui est affiché. Et donc, ça expliquerait pourquoi on va essayer de ne pas passer par l'extraterritorialité, mais plutôt par d'autres moyens, notamment en essayant plutôt d'influencer le droit international ou bien de recourir à des mécanismes de conditionnalité. Je rejoins ici ce que disait Cécile Rapoport ce matin. À mon avis, on ne peut pas considérer que la conditionnalité est une forme d'extraterritorialité.
Deuxième hypothèse, c'est qu'en réalité, l'Union n'est peut-être pas en mesure d'avoir une extraterritorialité véritablement, si ce n'est agressive, en tout cas ambitieuse, parce qu'elle n'est pas en position de le faire. L'idée, c'est de se dire pourquoi est-ce que finalement l'Union européenne, par exemple, s'agissant des sanctions qu'elle édicte dans le domaine des droits de l'homme, on va en reparler, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas l'équivalent de la pratique américaine? Pourquoi est-ce qu'elle ne sanctionne pas toute personne, toute entreprise qui commerce avec la Syrie aujourd'hui, par exemple, frappée par des sanctions européennes, en utilisant un facteur de rattachement plutôt contestable comme peuvent le faire les États-Unis? Alors, c'est une autre hypothèse. Est-ce que l'Union européenne aurait véritablement la possibilité de le faire? À mon avis, on peut peut-être, et là, il s'agit uniquement de jeter des pistes, et je vais aller très vite, envisager trois problèmes qui pourraient expliquer pourquoi l'Union, même si elle le voulait, ne pourrait pas le faire. Premièrement, contrairement aux États-Unis, ce n'est pas l'Union européenne qui va être en mesure de sanctionner directement ceux qui ne respectent pas ces sanctions. En effet, il va falloir nécessairement qu'elle passe par le truchement de ses États membres qui devront appliquer ces dites sanctions, moyen éventuellement de sanctions pénales. Donc, il faudrait qu'elle arrive à convaincre l'ensemble de ses États membres et les juridictions de ses États membres de faire une application extraterritoriale de son droit. Quel serait à ce moment-là d'ailleurs le juge compétent? Si on prend l'exemple de l'utilisation de l'euro comme critère de rattachement, quel sera l'État dont le juge va se reconnaître compétent pour sanctionner une entreprise, je sais pas, australienne qui aurait commercé avec la Syrie? Deuxième problème, c'est est-ce que on peut considérer que l'attractivité du marché intérieur de l'Union est telle qu'on la place l'Union dans la même position que les États-Unis, qui finalement peuvent pratiquer cette extraterritorialité parce que ce marché est imperdable pour notamment les entreprises américaines qui ont été sanctionnées. Il me semble que l'attractivité du marché intérieur rivalise largement, donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne raison, d'accord, mais on peut en discuter. Enfin, dernièrement, est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus simple pour des entreprises d'État tiers de contourner le facteur de rattachement qui serait mis en place par l'Union européenne, qui pourrait le contourner beaucoup plus facilement que ce qu'on arrive à le faire dans le cadre de la pratique américaine? Alors, en définitive, donc, et j'en terminerai par là, la prudence de l'Union, elle est peut-être volontaire, mais elle est peut-être aussi subie. Et à ce moment-là, cette pratique prudente traduirait peut-être non pas son attachement au droit international comme composante de son exceptionnalisme, mais traduirait plutôt le signe que l'Union européenne ne dispose peut-être pas tout à fait des moyens de son ambition exceptionnaliste. Je vous remercie. Merci beaucoup Loïc pour cette présentation très, très intéressante et stimulante qui soulève plein de questions. Enfin, je les réserve pour plus tard, mais sur la conditionnalité, sur la frontière qui parfois je trouve n'est pas très facile à tracer entre ce qui relève, on va dire stricto sensu, de l'extraterritorialité et ce qui relève plutôt de mécanismes d'exportation normative qui, me semble-t-il, sont deux techniques qui peuvent certainement, probablement se rejoindre peut-être dans leurs effets, mais qui ne procèdent pas tout à fait de la même logique. Enfin, je trouve que voilà, ton intervention ouvre un certain nombre de questions et de perspectives sur lesquelles on reviendra peut-être pendant la discussion un peu plus tard. Alors, tu as beaucoup insisté sur les valeurs, et donc du coup, et parmi ces valeurs, évidemment, il y a le respect des droits de l'homme, et donc ça me permet de trouver une transition avec la contribution suivante, celle de Patrick Jacob, qui est professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui va nous entretenir du sujet suivant, vers un régime européen de sanctions en matière de droits de l'homme à portée mondiale. Patrick, tu as la parole pour un quart d'heure. Merci chère Isabelle, j'espère qu'on m'entend bien et j'espère surtout que ça va tenir, parce que j'ai eu un petit plantage pendant l'intervention de Loïc, mais j'ai pu en saisir l'essentiel et c'était important parce que mon intervention va se placer assez largement dans la continuité de la sienne. Je remercie évidemment les organisateurs également de m'avoir convié. Je regrette évidemment de ne pas être à Rennes aujourd'hui, mais c'est quand même toujours un plaisir de pouvoir participer à ces manifestations.
Alors, je vais parler donc du régime européen de sanctions à portée mondiale. À l'époque où on discutait de l'intervention avec Cécile et Alan, j'avais proposé de titrer vert un régime européen de sanctions en matière de droits de l'homme à portée mondiale. Et immédiatement, dans les jours qui ont suivi, il s'est concrétisé puisque le Conseil de l'Union a adopté une décision et un règlement le 7 décembre 2020. Qui met en place donc un régime de ce type, un régime de mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l'homme, je cite. Alors, ce régime adopté par le Conseil de l'Union européenne, il s'inscrit dans les pas de précédents et notamment du précédent américain, hein, ce qu'on appelait le Magnitsky Act, hein, du nom de Sergueï Magnitsky, donc, qui est un ressortissant russe mort dans les prisons russes, et donc que les États-Unis ont entendu, événement à partir duquel les États-Unis ont entendu mettre en place des sanctions individualisées envers les personnes qui étaient jugées responsables de cet événement. Et donc, c'est une loi de 2012 qui avait été adoptée par le Royaume-Uni, et ici, comme le disait ce matin Charlotte Bossillon, on a plutôt un alignement, hein, de l'Union européenne sur une pratique qui vient des États-Unis, puisqu'on reprend un petit peu ce régime après d'autres. Hein, après d'autres, le Canada s'est aligné, le Royaume-Uni, un petit peu avant l'Union européenne, a fait de même, et donc l'Union, le 7 décembre 2020, a fini par rejoindre ce mouvement de sanctions ciblées de violation des droits de l'homme. Alors, on le voit, ce régime est un régime qui se veut mondial, c'est un régime européen, mais qui se veut mondial dans sa portée, européen dans son origine, bien sûr, mais mondial dans sa portée, puisqu'il s'agit de sanctionner les violations des droits de l'homme, quel que soit le lieu où elles se sont produites. Alors, ce système soulève des questions, de nombreuses questions. Charlotte Bossillon l'a évoqué, on a pu le saluer, les défenseurs des droits de l'homme ont pu le saluer comme un élément permettant de renforcer l'effectivité de certaines obligations en matière de droits de l'homme. D'un autre côté, ce régime comme d'autres peut soulever des questions quant à l'identification des personnes visées. Est-ce que les droits de l'homme sont bien respectés dans le processus qui aboutit à l'adoption d'une sanction? Peut soulever des questions également dans l'accumulation des sanctions qui finissent par ressembler aux régimes globaux préexistants. Charlotte Bossillon l'a également mentionné. En revanche, on a assez peu parlé du caractère extraterritorial de ces régimes, alors même que ce caractère extraterritorial est assez évident et même clairement assumé, puisque, comme je le disais, il s'agit vraiment de sanctionner les violations des droits de l'homme, quel que soit le lieu où elles se sont produites. Et donc, on va appliquer des mesures pour réagir à des comportements dont l'auteur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, dont les victimes ne sont pas ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne et qui sont commis en dehors du territoire de l'Union européenne ou des États membres de l'Union européenne. Autrement dit, il n'y a aucun lien entre le fait générateur de la sanction, l'élément qui va déclencher la sanction, et le territoire de l'Union européenne. On a donc une extraterritorialité assez évidente. Si on reprend la définition évoquée tout à l'heure par Thierry Garcia, il s'agit bien de saisir des comportements qui se déroulent hors du territoire de l'Union européenne, orienter les comportements hors du territoire de l'Union européenne. Alors, il ne s'agit pas ici, dans cette communication, de dénoncer cette extraterritorialité ou même d'apprécier vraiment la légalité de cette extraterritorialité, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi l'attention n'est pas attirée sur l'extraterritorialité de ce régime, alors que dans d'autres domaines, on va pointer du doigt l'extraterritorialité d'autres régimes de sanctions. Alors, j'ai essayé de tester plusieurs hypothèses qu'on va passer en revue et qui permettent de mettre en lumière à la fois la spécificité de ce Magnitsky Act à l'européenne et la spécificité d'autres régimes de sanctions qui ont suscité davantage d'émotions. Alors, le premier élément, c'est sans doute la nature et la portée des mesures. Loïc Robert le rappelait à l'instant, ce sont des mesures qui, d'un point de vue purement formel, sont parfaitement territoriales. C'est-à-dire qu'il s'agit de réagir à des événements qui se passent hors du territoire de l'Union européenne, mais la réaction elle-même se place intégralement sur le territoire européen, puisqu'il s'agit de geler les fonds qui sont présents sur le territoire européen ou qui sont sous le contrôle d'entités européennes et d'interdire
l'entrée sur le territoire européen aux personnes visées. Donc, de ce point de vue-là, les mesures sont parfaitement territoriales. Est-ce que ça suffit à écarter la critique de l'extraterritorialité? Sans doute pas, parce que si c'était le cas, alors aucune mesure, ou presque, ne pourrait être qualifiée d'extraterritoriale. Même les mesures américaines qui sont régulièrement dénoncées, elles sont, et Charlotte le rappelait ce matin, elles sont, pour l'essentiel, purement territoriales. On peut les voir comme purement territoriales. Les mesures ne sont exécutées, ne produisent d'effets concrets que sur le territoire des États-Unis, même si elles ont une influence au-delà du territoire des États-Unis. Et donc, ça a conduit la doctrine à revenir sur la distinction du lotus entre compétences normatives tolérées, compétences d'exécution qui seraient prohibées, pour considérer que finalement, même quand la compétence est purement normative, elle peut être excessive lorsqu'elle s'accompagne de moyens de contrainte suffisamment efficaces pour orienter les comportements à l'étranger. Et donc, il faut regarder un petit peu le degré de contrainte qui est ici exercé sur les acteurs. Alors, on voit que la contrainte, elle est ici modérée lorsqu'on la compare à d'autres mesures. On peut comparer les mesures en question au débat sur la compétence universelle en matière pénale. Après tout, la situation est la même. On saisit des comportements à l'étranger par des étrangers dont les victimes sont étrangères. Dans un cas, on s'en émeut. Dans l'autre, on ne s'en émeut pas, sans doute parce que la contrainte pénale est plus forte que la contrainte constituée par ces mesures qui ne sont, après tout, que des mesures administratives de gel des fonds et d'interdiction des avoirs. De la même manière, on peut sans doute distinguer les mesures européennes en question des mesures américaines. Ici, essentiellement sur le plan factuel, parce que l'efficacité des mesures, le degré de contrainte exercée est sans doute moindre dans ces mesures européennes que dans les mesures américaines, puisque évidemment la privation d'accès au marché américain pour une entreprise multinationale est bien plus contraignante que le fait pour un individu de ne pouvoir avoir accès au territoire européen. Il est sans doute plus facile de contourner ces mesures et de s'y soustraire, comme le disait Loïc Robert à l'instant. Donc évidemment, c'est un bémol envers l'efficacité de ces mesures, mais d'un autre côté, ça peut justifier en partie l'extension de compétences ainsi réalisées. Alors, ceci étant, ce n'est peut-être pas suffisant pour expliquer que les mesures soient moins critiquées du point de vue de l'extraterritorialité. Et donc, on peut également pointer d'autres particularités de ces mesures qui tiennent aux destinataires des mesures et au mobile de l'adoption de ces mesures. Alors, s'agissant d'abord du destinataire des mesures, en réalité, il apparaît que les mesures restrictives, qui ne sont pas nouvelles, qui ne datent pas évidemment du 7 décembre 2020, elles n'ont pas suscité de grande émotion lorsqu'elles apparaissaient comme la réponse à une violation du droit international imputable à un État tiers. On peut penser aux mesures qui avaient été adoptées par l'Union européenne contre la Russie suite à l'intervention ukrainienne et au rattachement de la Crimée à la Russie. Ou à d'autres mesures plus anciennes, y compris les mesures des États-Unis dirigées contre l'Iran. En fait, dans ces cas-là, les États concernés, comme la doctrine, n'ont pas vraiment vu ces mesures sous l'angle de l'extraterritorialité. Ils les ont plutôt vues sous l'angle des contre-mesures. Bruno Sen-Bertrand y faisait allusion, je crois, ce matin, c'est-à-dire que ces mesures ont été considérées comme des mesures prises en réaction à un premier fait illicite imputable à un État. Donc c'est un mécanisme classique, en quelque sorte, d'application du droit international. Un État commet une violation du droit international, un autre État y réagit en adoptant des mesures qui sont susceptibles d'être contraires au droit international, mais dont l'illicéité est purgée parce qu'elle constitue une réponse à une violation initiale. Alors, on peut discuter de ces mesures du point de vue du droit des contre-mesures. On peut se demander si on peut adopter des contre-mesures d'intérêt général, c'est-à-dire qu'une entité qui n'est pas directement lésée de l'Union européenne réagit à une violation qui ne l'affecte pas directement, comme l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais en tout cas, c'est essentiellement comme ça que ça a été perçu pendant longtemps, et donc ça a sans doute un peu occulté le débat sur l'extraterritorialité. Et d'ailleurs, on le voit même dans les mesures américaines, Helms-Burton ou D'Amato-Kennedy,
ce qui a été critiqué, ce n'est pas tant le fait pour les États-Unis de sanctionner Cuba, l'Iran ou la Libye, c'est le fait d'étendre la portée de ces sanctions, d'utiliser un mécanisme de sanctions secondaires pour sanctionner aussi ceux qui commercent avec l'Iran, la Libye ou Cuba. Donc ici, l'Union européenne fait différemment, cela a été dit, elle n'impose pas aux tiers ces mesures, mais elle leur suggère de suivre le mouvement. Il y a une disposition dans le règlement qui invite les autres États à faire de même. Alors, le nouveau régime, tout de même, est un peu décalé par rapport à cette idée de contre-mesure à deux égards. D'abord parce que c'est un régime global, c'est un régime qui se veut global et donc qui n'est pas ciblé contre un État particulier. C'est essentiellement pour des raisons de flexibilité, de souplesse qu'on a adopté un régime global, mais tout de même, ça détache le régime de l'idée de réponse à un État particulier. Et puis ensuite, parce que le préambule de la décision du Conseil l'indique d'ailleurs, le régime vise aussi les acteurs non étatiques. Il vise aussi les acteurs non étatiques et donc il n'est pas seulement une réaction à un fait illicite de la part d'un autre État. Le préambule de la décision l'indique en soulignant la forte implication des acteurs non étatiques dans les atteintes aux droits de l'homme à l'échelle mondiale. Donc, cette idée de contre-mesure est un peu ici mise de côté, en quelque sorte, et ne suffirait peut-être pas à justifier toutes les mesures qui seraient adoptées sur le fondement de ce texte. Alors, il reste la question du mobile, en fait, des mesures qui sont adoptées. Je crois qu'elle est essentielle, en réalité. Quelles sont les raisons qui justifient des sanctions? Quelles sont les obligations qui sont couvertes? Et on voit ici que l'essentiel des débats au sein des institutions européennes a porté sur l'identification des obligations dont la violation justifierait une réaction. Et donc, le but a été de se concentrer sur des violations qui font l'objet d'un accord universel. Donc, on voit le génocide, le crime contre l'humanité, la réduction en esclavage, l'interdiction de la torture en particulier. Et donc, ce serait cela, le fait qu'il y a des obligations dont la violation emporte une réprobation universelle, ce serait cela qui justifierait que chacun soit habilité à réagir au nom, finalement, de la communauté internationale dans son ensemble. Alors, évidemment, ça peut expliquer la tolérance vis-à-vis des mesures de ce type. Ceci étant, je crois qu'il y a trois remarques très brèves à faire là-dessus. D'abord, même si les droits sont universellement reconnus, il peut exister un décalage entre réprobation universelle et répression universelle, et on l'a bien vu dans les débats sur la compétence universelle, ce n'est pas la même chose que de s'entendre sur le fait que des comportements doivent être incriminés et de déterminer qui est habilité à réprimer ces comportements. Ensuite, et c'est un petit peu en lien, il peut y avoir un décalage entre le principe, c'est-à-dire l'accord de principe sur les comportements qu'il faut réprimer et la mise en œuvre pratique de cette répression, puisqu'il peut y avoir des abus éventuellement dans la mise en œuvre de la répression. Et je crois que l'exemple de la façon dont les sanctions américaines, enfin le régime américain en matière de corruption est perçu, l'illustre bien, hein, puisque tout le monde est désormais d'accord, et depuis finalement pas si longtemps que ça, pour réprimer la corruption internationale, mais c'est la manière dont les États-Unis le font qui suscite certaines tensions. Et puis, troisième remarque, l'Union s'est essentiellement concentrée sur des obligations universellement admises, mais il y a tout de même certaines obligations qui sont susceptibles de faire davantage débat. On peut songer aux atteintes à la liberté de réunion et d'association, les atteintes à la liberté d'expression et les atteintes à la liberté religieuse, qui tombent également sous le coup de ce Magnitsky Act à l'européenne, domaine sur lequel on peut parier, il y a fort à parier en tout cas, qu'il pourrait y avoir un décalage entre la perception européenne et la perception du respect de ces obligations dans des États tiers. Alors, au terme de ce bref panorama, moi, j'ai le sentiment qu'en fait, il n'y a pas d'opposition binaire entre ce qui est territorial et ce qui est extraterritorial, ce qui est territorial et qui serait licite et ce qui serait extraterritorial et donc nécessairement illicite. En réalité, pour chaque mesure, des facteurs d'appréciation divers doivent être mis en œuvre. Certains tiennent aux liens de rattachement qui sont mobilisés, le degré de proximité entre l'État qui réglemente et la situation qu'il entend réglementer, ici on en a très peu, le degré de pression exercée également, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre, administratifs, pénaux,
le degré d'efficacité de ces mesures, le mobile qui justifie la mesure, s'agit-il de défendre uniquement un intérêt national ou s'agit-il d'agir dans l'intérêt du droit international, et enfin les effets de la mesure sur les États tiers. Tous ces éléments doivent être pris en compte pour porter un regard sur l'extraterritorialité des mesures de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick, pour cet exposé très intéressant, éclairant sur le Magnitsky Act à l'européenne sous l'angle de l'extraterritorialité, qui, c'est vrai, ce n'est pas forcément l'angle d'attaque sur lequel il a été le plus appréhendé jusqu'à présent ou commenté jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment intéressant. Et merci aussi pour ce respect impeccable du timing à la minute près. Ce qui évidemment fait peser une petite pression sur les interlocutrices suivantes. Marion Audac. Donc là, on va s'intéresser désormais aux entreprises et à l'extraterritorialité et le devoir de vigilance des entreprises. Et Marion Audac est donc maître de conférence à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, donc c'est à Valenciennes, si je ne me trompe. Marion, donc tu as la parole pour un quart d'heure. Merci Madame la Présidente, merci Isabelle, merci évidemment aux organisateurs pour cette magnifique manifestation. J'apprends énormément depuis ce matin. Alors oui, les entreprises sous l'angle du devoir de diligence. Alors l'exigence de respect des droits de l'homme et de l'environnement mis à la charge des entreprises multinationales, c'est largement développé depuis une vingtaine d'années sous des formes assez variées au niveau national comme international. On peut définir le devoir de diligence comme l'engagement des entreprises à adopter un comportement responsable dans la conduite de leurs activités économiques. Et en cela, on peut dire qu'il englobe le devoir de vigilance qui impose aux entreprises de contrôler leur chaîne d'approvisionnement sur le marché mondial afin de prévenir les risques de violation des droits de l'homme et, le cas échéant, de prendre les mesures adéquates pour limiter ces risques. Il peut également en découler des sanctions contre les entreprises responsables et une réparation des préjudices subis par les victimes. D'un point de vue spatial, il s'agit donc d'appréhender ici des comportements d'opérateurs économiques partout dans le monde en les rattachant aux sociétés mères ou donneuses d'ordre. Et cet élargissement du champ spatial de la responsabilité et donc de la norme qui la fonde, va s'opérer à travers le concept de chaîne d'approvisionnement ou chaîne de valeur, qui peut se définir comme l'ensemble des activités, opérations, relations commerciales et chaînes d'investissement d'une entreprise. Dans l'Union européenne, pour l'instant, nous avons uniquement des obligations sectorielles de diligence qui s'imposent aux entreprises qui sont actives sur le marché intérieur à l'égard de leur chaîne d'approvisionnement international, en particulier dans le domaine du commerce du bois et dans le commerce des minerais précieux. Et puis, on a également des obligations, mais simplement de signalement par des publications d'informations non financières qui s'appliquent aux grandes entreprises européennes. Or, et on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises, le droit primaire de l'Union dit que l'Union doit affirmer ses valeurs dans ses relations avec le reste du monde, notamment en contribuant à la protection des droits de l'homme, au développement durable de la planète à l'échelle internationale. Il y a donc une lacune à combler sous l'angle ici du devoir de diligence des entreprises. Et justement, l'action européenne est en cours. Le travail qui est en cours, qui vise à élaborer cette fois un cadre général de diligence des entreprises en droit de l'Union européenne. Et c'est cette actualité qui justifie nos propos. Alors, plus spécialement sous l'angle de l'extraterritorialité, le devoir de vigilance, de diligence, a vocation à s'appliquer, on l'a dit, à des opérateurs ou à des activités qui se trouvent en dehors du territoire européen. On est donc ici face à une compétence extraterritoriale du droit de l'Union. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur la légitimité de l'extraterritorialité qui est donc inhérente, on le voit, au devoir de diligence dans le contexte européen.
et ce, dans une double perspective qui s'entremêle et qui vise peut-être à être dépassée, qui a d'ailleurs été évoquée notamment par Charlotte Bossillon ce matin, légitimité à l'égard des États tiers et plus largement dans l'ordre international, donc une vision plutôt publiciste, mais également légitimité à l'égard des personnes privées, les entreprises concernées et les individus victimes qui sont impliqués dans ces situations transnationales, donc une vision plus privatiste. Et en creux, puisque je suis internationaliste privatiste, je propose de réfléchir à l'incidence que peut avoir la politique législative européenne en matière de gouvernance d'entreprises socialement responsables, ici avec ce devoir de diligence, sur les droits des personnes privées au niveau mondial. Le premier élément de réponse se trouve sans aucun doute dans l'affirmation identitaire de l'Union. On va y revenir. Alors, la recherche est en cours me concernant. Je m'appuie ici sur les deux règlements sectoriels de diligence que j'évoquais tout à l'heure et sur la recommandation du Parlement européen de septembre dernier qui présente un projet de directive générale sur la diligence. C'est dans ce cadre qu'une quête de légitimité de l'extraterritorialité peut être conduite suivant une approche, une dichotomie assez classique, notion-régime. Donc, à travers l'étude de la notion de devoir de diligence, on peut étudier son champ d'application spatiale. Et puis, quant à l'analyse du régime de devoir de diligence, il devrait permettre de s'intéresser à sa mise en œuvre spatiale. Dans les deux hypothèses, je vais essayer de recourir aux méthodes de droit international privé pour apprécier la légitimité de la norme extraterritoriale. Je me limiterai néanmoins dans cette présentation orale à la première partie de la recherche, celle du champ d'application spatiale du devoir de diligence en droit de l'Union. Deux étapes ici pour apprécier la légitimité de la norme extraterritoriale. D'abord, il faut identifier les formes prises par cette norme extraterritoriale. Elle n'est pas uniforme. Et puis ensuite, on peut réfléchir aux justifications politiques de celle-ci. S'agissant donc des formes prises par la norme extraterritoriale du devoir de diligence, on peut en distinguer trois degrés d'extraterritorialité normative, une extraterritorialité que je qualifierais d'intra-européenne, une extraterritorialité extra-européenne et une extraterritorialité proprement internationale ou universelle. Alors, premièrement, l'extraterritoriale intra-européenne, elle ressort de l'acquis ou du futur droit de l'Union en matière de diligence parce que ce sont d'abord les entreprises établies dans l'Union ou régies par le droit de l'Union qui doivent respecter un système de diligence pour des faits préjudiciables qui se réalisent en dehors de l'Union et via leur chaîne de valeur mondiale. Sont donc ici visés des comportements imputables à des opérateurs étrangers pour des faits commis à l'étranger, mais rattachés à des entreprises européennes. Ici, il n'y a pas de concurrence normative avec les États tiers puisque les entreprises visées par la norme européenne appartiennent à l'ordre juridique de l'Union. On pourrait dire que l'application de ce régime européen de diligence s'impose comme une décision régulatoire unilatérale de l'Union qui n'implique pas les gouvernements étrangers. Dans une perspective conflictuelle privatiste, l'analyse nous paraît similaire. Le devoir de diligence est applicable au titre de la loi du lieu d'établissement de l'opérateur ou de la lex societatis, étant entendu ici qu'il s'agit d'une norme, d'une règle de conflit régional de facture unilatérale qu'on décrit parfois comme une règle d'applicabilité et qu'on trouve dans d'autres instruments du droit du marché intérieur. Deuxièmement, l'extraterritorialité extra-européenne. Elle s'exprime quant à elle par le fait que des entreprises non européennes, donc régies par le droit d'un État tiers à l'Union européenne au titre de la lex societatis, peuvent être soumises au devoir de diligence à partir du moment où elle développe une activité économique au sein du marché intérieur. La légitimité de l'action européenne ici pourrait être mal reçue par les États tiers, siège des entreprises concernées, puisque le droit de l'Union s'impose sans assise personnelle, uniquement par le rattachement spatial de l'activité économique au marché intérieur. Dans le même temps,
les destinataires ici de la norme européenne de diligence sont des personnes privées et non des États. On pourrait donc accepter cette répartition spatiale de la norme européenne comme résultant de la méthode conflictuelle de droit privé. À partir du moment où ces opérateurs étrangers entrent volontairement dans le fort européen, il n'y a rien d'illégitime à désigner une loi étrangère comme applicable, c'est même le postulat du droit international privé classique en Europe continentale. Ici, la loi européenne applicable est désignée sur la base d'un rattachement au lieu d'exercice de l'activité de l'entreprise, rattachement qui exprime un lien de proximité suffisant entre la compétence normative et la situation juridique régulée. Troisièmement, l'extraterritorialité universelle. Cette forme extrême d'extraterritorialité consisterait à permettre à la compétence normative européenne en matière de diligence d'être entièrement libérée de tout rattachement au territoire législatif de l'Union. Cela rejoint ce qu'on appelle, et on en a déjà parlé, l'universalisation de la compétence. Une telle norme européenne universelle n'existe pas à l'heure actuelle en acquis européen ni dans les projets européens, mais on pourrait néanmoins discuter cette forme d'extraterritorialité sous l'angle de l'affirmation identitaire de l'Union. Et justement, je vais aborder maintenant cette seconde partie de mon propos, les justifications politiques de la norme extraterritoriale de diligence. C'est la volonté pour l'Union de faire prévaloir ses valeurs dans l'ordre international qui apparaît comme la justification majeure de ce champ d'application spatiale renforcé attribué au devoir de diligence. Mais pas seulement. L'affirmation identitaire de l'Union est également intra-européenne, tournée vers l'intérieur, et on l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises aujourd'hui. En ce sens, on peut donc confronter cette double identité que j'appellerais donc intra-européenne et extra-européenne aux formes d'extraterritorialité que l'on a mis en lumière. S'agissant d'abord de l'affirmation identitaire extra-européenne, par la norme européenne de diligence, l'Union s'inscrit dans la lignée des travaux internationaux en la matière, ceux de l'ONU, ceux de l'OCDE notamment, en leur offrant une forme juridiquement contraignante à dimension régionale. C'est ici la protection des droits humains et de la planète qui est défendue. À cette fin, le régime européen de diligence doit évidemment être capable d'appréhender des comportements qui lui sont géographiquement et personnellement étrangers. C'est ici principalement, selon nous, l'extraterritorialité intra-européenne, celle donc qui vise les entreprises européennes, qui est l'outil central de cette politique juridique qu'on pourrait qualifier de gouvernance globale que s'assigne l'Union. Paradoxalement, alors, c'est finalement l'extraterritorialité la plus douce, celle qui vise les opérateurs européens, qui permet d'atteindre des objectifs forts à portée mondiale. Dans le même temps, cela signifie que le niveau de responsabilité que l'on fait peser sur les opérateurs économiques européens est très élevé. C'est ce qu'implique et ce que permet le concept de chaîne d'approvisionnement dont on parlait tout à l'heure, qui élargit le champ d'application personnel de la norme européenne de diligence. Et ici, il y a certainement une nouvelle discussion de légitimité qui peut être réintroduite non plus sous l'angle de la norme extraterritoriale, je pense, mais sous celui de la légitimité, de la responsabilité extraterritoriale des entreprises européennes. En outre, le devoir européen de diligence à portée extraterritoriale est justifié comme permettant à l'Union de s'imposer en tant qu'autorité normative à l'échelle internationale. C'est ici la stature politique de l'Union qui est mise en avant. On dit que l'Union pourrait même influer sur les standards internationaux existants, servir d'exemple pour d'autres régions du globe en matière de diligence. Ici, ce sont tant l'extraterritorialité interne qu'externe qui sont pertinentes. Plus largement ce devoir s'impose, plus forte s'affirme l'identité politique et réglementaire de l'Union. S'agissant toutefois de la seconde forme d'extraterritorialité, donc celle qui est extra-européenne et qui vise donc les opérateurs non européens, elle a pu être discutée, on l'a vu, sur le terrain de la légitimité internationale. On pourrait ici introduire une légitimation tirée
de la gouvernance globale qu'on évoquait tout à l'heure, dont la dimension d'intérêt public mondial pourrait permettre de justifier la vocation normative européenne extraterritoriale. On peut également réfléchir, à titre prospectif, sur la troisième forme d'extraterritorialité que j'évoquais, dite universelle. Ne devrait-elle pas être introduite dans le futur régime européen de diligence ? Elle pourrait avoir sa place au titre d'un droit incitatif, fondé donc sur l'autonomie de la volonté pour les opérateurs, les entreprises multinationales non européennes qui n'agissent pas sur le marché intérieur, et pour les États tiers qui pourraient utiliser ainsi le régime européen de diligence comme loi modèle à titre optionnel, voire même rejoindre la coopération institutionnelle, les échanges de bonnes pratiques qu'implique une régulation internationale de la gouvernance d'entreprises socialement responsables. Alors, est-ce le rôle de l'Union ? Est-ce que l'Union a la compétence pour le faire ? Évidemment, la discussion est ouverte. S'agissant ensuite de l'affirmation identitaire intra-européenne, il y a ici à nouveau une forme de paradoxe. Cette fois parce que la norme extraterritoriale, celle qui vise les entreprises non européennes, participe à une politique législative régionale interne. Parce que le principal argument identitaire intra-européen, eh bien, se trouve dans le bon fonctionnement du marché intérieur. Ça a déjà été évoqué. Plus spécialement ici, on invoque la loyauté de la concurrence, le level playing field, entre les entreprises intra- et extra-européennes, afin que les obligations de gouvernance sociétaire, ici le devoir de diligence, pèsent similairement sur tous les opérateurs qui sont actifs dans le marché intérieur, peu importe leur origine. Remarquons par ailleurs que cette affirmation de l'identité intra-européenne de l'Union par une norme extraterritoriale est une donnée que l'on retrouve dans plusieurs textes récents du marché intérieur. Frédéric Michéa a évoqué ce matin le règlement Platform to Business qui a cette même portée extraterritoriale. L'obligation de loyauté contractuelle qu'on impose aux opérateurs de plateforme s'impose lorsqu'ils opèrent dans le marché intérieur, même s'ils sont établis en dehors de l'Union. Que peut-on en penser sous l'angle de la légitimité normative européenne ? Il s'agit pour l'Union de protéger son espace économico-politique intérieur. Est-ce qu'il y a des risques se priver d'opérateurs étrangers qui ne voudraient pas jouer le jeu de la norme européenne de diligence ? Peut-être. C'est un sacrifice certainement à accepter pour défendre ses valeurs. Mais surtout, c'est un contrepoids qui nous paraît indispensable à la responsabilité très forte que le devoir de diligence fait peser sur les opérateurs à l'extérieur, les opérateurs européens à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, après l'étude de la notion, ce sera l'étude du régime du devoir de diligence sous l'angle de la mise en œuvre spatiale qui devra retenir l'attention. On ne sait pas encore si la quête de légitimité sera fructueuse, mais je m'engage évidemment à y travailler, et en particulier en réfléchissant aux sanctions du devoir de diligence et à cette fin à la question du juge compétent et de la loi applicable à ces sanctions. Il s'agit là donc d'une question qui est déjà pas mal étudiée en doctrine internationaliste privatiste en dehors du cadre européen, et justement cette question pourrait, me semble-t-il, être renouvelée ici par la recherche de légitimité à l'aune de l'affirmation identitaire de l'Union. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marion, pour cette présentation très intéressante où on voit se dessiner de manière très subtile différentes formes d'extraterritorialité et finalement, c'est peut-être à juste titre que le terme peut-être devrait être mis au pluriel plutôt qu'au singulier dans nos travaux. On va retrouver aussi cette idée d'extraterritorialité ou des formes d'extraterritorialité déclinées sous plusieurs acceptions ou sous plusieurs formes à travers l'intervention de d'Anna Monique, donc, qui est maître de conférence à l'Université de Rennes 1 et qui va nous parler des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, menées par l'Union européenne en tant qu'elles sont ou pas vecteurs d'extraterritorialité. Donc Anne, je te cède la parole.
Merci Madame la Présidente, merci Isabelle. Merci également à Alan et Cécile de m'avoir associée à ce projet et de m'avoir permis de réfléchir à un sujet qui m'est cher, les opérations de gestion de crise à travers un nouveau prisme, celui de l'extraterritorialité. Même si je dois avouer qu'au départ, cela m'a mis face à une situation un petit peu compliquée puisque j'étais confrontée à une évidence et à un embarras en même temps. Et c'est d'ailleurs ce qui traduit le point d'interrogation. À l'origine de mes réflexions, il y a eu un grand point d'interrogation. Alors, une évidence et un embarras. Une évidence, pourquoi ? Parce que si on lit les traités, et en particulier l'article 42 du traité sur l'Union européenne, les opérations de gestion de crise qui relèvent de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne ont pour but justement de permettre à l'Union d'avoir recours à des moyens civils et militaires, je cite, dans des missions afin d'assurer le maintien de la paix en dehors de l'Union. Donc, il semble que par définition, par nature, les opérations de gestion de crise induisent une forme d'extraterritorialité, une action extraterritoriale. Mais dans le même temps, j'ai été confrontée très rapidement à un embarras, car l'extraterritorialité dont appréhendée dans le cadre des opérations de gestion de crise est de prime abord très différente de celle de l'approche classique, de l'approche habituelle et de celle que l'on a pu avoir régulièrement aujourd'hui, l'approche habituelle de l'extraterritorialité. Elle est différente pour au moins trois raisons. Traditionnellement, lorsqu'on parle d'extraterritorialité, notamment dans le cadre du droit de l'Union, on parle d'une compétence interne de l'Union qui va être appliquée au-delà du territoire des États membres. Or, la politique de sécurité et de défense, c'est une compétence externe par elle-même. Donc, par définition, elle implique une action à l'international, une action extraterritoriale. La deuxième raison pour laquelle c'est un petit peu particulier ici, c'est qu'on parle souvent d'extraterritorialité normative. Or, la politique de sécurité et de défense a justement pour rôle de donner à l'Union les capacités d'une action opérationnelle. Dans le cadre de la politique de sécurité et de défense, on est dans une logique de coopération intergouvernementale. Donc, il n'y a pas adoption d'actes législatifs possibles et la compétence de la Cour de justice est très limitée. Donc, les outils habituels ne sont pas nécessairement là. Enfin, quand on parle d'extraterritorialité aujourd'hui, on a souvent l'idée d'une extraterritorialité unilatérale et ou conflictuelle, alors que dans le cadre des opérations de gestion de crise, l'UE veut agir en faveur de la paix internationale et les opérations de gestion de crise se veulent précisément légales. Donc, différents éléments caractéristiques des opérations de gestion de crise qui ne semblaient pas cadrer avec l'appréciation ou l'appréhension que l'on a habituellement de l'extraterritorialité qui est plutôt normative, conflictuelle, etc. Donc, ça m'a fait d'abord douter de la pertinence de confronter opérations de gestion de crise et extraterritorialité avant justement de me convaincre de son intérêt. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'impact de la question des opérations de gestion de crise au prisme de l'extraterritorialité. Alors, vous aurez compris que je retiendrai ici une définition ou une approche assez large de l'extraterritorialité qui justifie le pluriel dans l'intitulé de l'intervention et qui ne fera peut-être pas l'unanimité, ce qui justifie du coup pour une deuxième raison le point d'interrogation qui reste posé. L'idée ici, ça va être de voir quelles formes, quelles expressions éventuelles d'extraterritorialité on peut trouver dans la mise en œuvre des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, de s'interroger sur la légalité sur leur légalité et de voir dans quelle mesure cette extraterritorialité des opérations de gestion de crise peut traduire l'identité internationale de l'Union européenne. J'ai pu identifier trois formes d'extraterritorialité dans le cadre des opérations de gestion de crise de l'Union européenne. L'extraterritorialité au regard de la zone d'action des opérations de gestion de crise. Je m'intéresserai ensuite à l'extraterritorialité au regard des mandats des opérations de gestion de crise. Et enfin, je voudrais vous proposer une autre interprétation de l'extraterritorialité, celle au regard des moyens d'action des opérations de gestion de crise et le fait que soient impliqués d'autres États tiers. Donc, tout d'abord, l'extraterritorialité dans le cadre des opérations de gestion de crise au regard de la zone d'action. En effet, les opérations de gestion de crise, par définition, vont être des actions opérationnelles extraterritoriales de l'Union européenne. Elles s'exercent en dehors de l'Union et c'est bien ce qui s'est passé pour les 38 opérations de gestion de crise que l'Union européenne a d'ores et déjà menées jusqu'à maintenant. Il s'agit bien d'une action extraterritoriale de l'Union au sens géographique du terme. Et cela paraît en quelque sorte évident. Pourtant, il est important de relever deux caractéristiques qui font un peu la spécificité de l'Union européenne
au regard de cette première forme d'extraterritorialité. Tout d'abord, il faut noter que les opérations de gestion de crise, le fait qu'elles se mettent en œuvre via une action opérationnelle extraterritoriale, c'est exceptionnel au regard des autres organisations régionales. Et l'autre caractéristique, c'est que l'Union européenne va systématiquement rechercher la légalité de ces opérations. Donc, la première caractéristique, pourquoi est-ce que cette extraterritorialité est quand même manifeste et importante? C'est parce que ça n'est pas habituel, contrairement à ce que l'on pourrait croire lorsque l'on ne s'intéresse qu'à l'Union européenne. Si on regarde la Charte des Nations Unies, il semble que le rôle des organisations régionales, ce soit de gérer les conflits, gérer le maintien de la paix dans la région, c'est-à-dire sur le territoire des États membres et entre les États membres. Or, l'Union européenne, elle, agit précisément au-delà. Et lorsqu'on regarde les actes constitutifs d'autres organisations régionales, par exemple l'Union africaine ou l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, leur rôle en tant qu'organisation régionale, c'est bien de gérer les conflits sur le territoire de leurs États membres, donc une action territoriale. L'Union européenne, elle précisément, s'affirme comme voulant être un acteur international et donc extraterritorial du maintien de la paix. Alors, et en ce sens, elle fait exception. On pourrait se dire que ça pourrait poser problème du point de vue du droit international. Alors, l'ONU a reconnu cette spécificité. Dans différents textes des Nations Unies, des différentes institutions des Nations Unies, il y a une reconnaissance du fait que l'Union européenne peut mener des opérations de gestion de crise au-delà du territoire de ses États membres, que c'est une spécificité de l'Union par rapport à d'autres organisations qui ne le font pas. Et d'une certaine façon, l'ONU a même encouragé cette action internationale extraterritoriale de l'Union en l'autorisant à mener des opérations de gestion de crise, nommément. On peut penser par exemple à Artemis en République démocratique du Congo. C'est une opération pour laquelle le Conseil de sécurité a nommément désigné l'Union européenne comme devant contribuer au maintien de la paix, comme l'y autorisant. Et donc la deuxième caractéristique, au-delà du fait que ça reste quand même exceptionnel par rapport aux autres organisations régionales, cette extraterritorialité au regard de la zone d'action est aussi particulière car l'Union européenne va systématiquement rechercher la légalité de cette action, la légalité du point de vue international. Alors, il faut distinguer ici les opérations militaires d'une part et les missions civiles et militaires d'autre part. Pour les opérations militaires, la légalité internationale, elle va passer par l'existence d'une résolution du Conseil de sécurité préalable qui autorise l'Union européenne à agir sur le territoire d'un État tiers ou en haute mer. Et donc, l'Union européenne attend systématiquement cette résolution pour pouvoir agir. D'ailleurs, pour l'opération SOFIA, elle a dû organiser plusieurs étapes pour éviter d'être en dehors du droit international. Elle a attendu que la résolution du Conseil de sécurité, en quelque sorte, arrive. Pour les missions civiles et militaires, où là, il n'y a pas de risque de recours à la force armée en principe, eh bien, là, il s'agit d'assurer la légalité des opérations, des missions par rapport au principe de non-ingérence. Et donc, la légalité des missions civiles et militaires passe par l'invitation de l'État tiers, l'invitation de l'Union européenne à venir intervenir sur son territoire par une mission civile ou une mission militaire, même si parfois l'identification des autorités pertinentes est compliquée. Donc, c'est un petit peu rapide, je le reconnais, mais l'idée ici, c'est de dire que les opérations de gestion de crise de l'Union européenne sont par nature sur le territoire d'État tiers ou en haute mer, et que cela est une spécificité de l'Union européenne par rapport à d'autres organisations régionales, que l'Union européenne cherche systématiquement à obtenir la légalité de ses actions. Donc, c'est une extraterritorialité consentie par les États tiers ou autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est aussi une action extraterritoriale opérationnelle de l'Union qui est accueillie favorablement par les autres acteurs internationaux, l'ONU qui encourage parfois l'Union européenne, ou les États tiers hôtes qui vont l'inviter à intervenir pour les aider à assurer le maintien de la paix sur leur territoire ou le rétablissement de la paix. Voilà en quoi les opérations de gestion de crise sont un premier vecteur d'extraterritorialité. La deuxième raison, c'est en vertu au regard du mandat des opérations de gestion de crise. On peut aussi identifier une extraterritorialité au regard du mandat. Dès lors que dans le cadre d'un certain nombre d'opérations de gestion de crise, l'Union va faire un exercice extraterritorial de fonctions que l'on peut qualifier de fonctions étatiques ou de type étatique. En effet, l'Union européenne mène différents types de missions, elle a différentes fonctions, différentes tâches, et il s'avère que dans certaines opérations de gestion de crise, elle va être en mesure d'exercer des fonctions
de type étatique, au sens, et donc là on rentre dans une définition un peu plus juridique de l'extraterritorialité, c'est-à-dire des situations dans lesquelles l'Union va exercer des fonctions législatives, exécutives ou juridictionnelles, le cas échéant. Alors là, toutes les opérations de gestion de crise ne sont pas concernées. Il faut distinguer les opérations de gestion de crise avec un mandat dit exécutif et les opérations de gestion de crise avec un mandat non exécutif. Les opérations de gestion de crise à mandat exécutif, précisément, vont permettre à l'Union de se substituer aux autorités nationales. Et donc là, on va avoir un exercice extraterritorial d'une fonction de type étatique. C'est le cas dans les opérations militaires. On peut citer par exemple la récente opération Irini, dans le cadre de laquelle l'Union peut procéder à l'inspection de navires. Elle peut aussi prendre des mesures nécessaires en vue de la saisie ou de la destruction des biens saisis sur les navires en question. On peut également évoquer l'opération EUFOR Tchad RCA, où il était question de contribuer à la protection des civils ou du personnel des Nations Unies. Donc, dans le cadre des opérations militaires, l'Union européenne a souvent un rôle de gendarme international et donc des tâches exécutives du type pouvoir exécutif, fonction exécutive. On peut aussi citer ici la mission Eulex Kosovo, qui est très particulière, qui est une mission civile, mais précisément avec des compétences exécutives, des responsabilités exécutives pour l'Union, ce qui lui a permis, par exemple, donc dans le mandat, il était prévu que, l'Union pouvait modifier à travers Eulex, pouvait modifier ou annuler des décisions opérationnelles prises par les autorités kosovares compétentes. De la même façon, l'Union européenne pouvait intervenir via des enquêteurs ou des procureurs qui travailleraient conjointement avec les autorités kosovares. Ainsi, des juges et des procureurs de Eulex Kosovo, l'opération de gestion de crise Eulex Kosovo, ont été chargés de l'exercice de pouvoir judiciaire. Et pour cela, ils ont été intégrés au système judiciaire kosovar, système de poursuite judiciaire et des juridictions. Donc, dans les opérations militaires et à travers cette mission Eulex, qui sont les opérations à mandat exécutif existantes jusqu'à maintenant, l'Union européenne a exercé des tâches de type étatique. Et donc, on a une extraterritorialité de l'action ici de l'Union européenne au regard de cet exercice, avec toutefois une particularité. C'est qu'on a bien une extraterritorialité opérationnelle, mais on n'a pas vraiment une extraterritorialité normative. Et donc, je reviens sur cette spécificité de l'extraterritorialité dans le cadre des opérations de gestion de crise. La dimension normative est plus délicate, puisque dans le cadre des opérations militaires, les opérations vont essentiellement mettre en œuvre le droit international. Et dans le cadre de Eulex Kosovo, il s'agissait essentiellement, pour les juges et procureurs, par exemple, de Eulex, de mettre en œuvre, d'appliquer le droit de la MINUC, qui était présente auparavant sur le territoire, ou ensuite le droit kosovar. Donc, on va avoir une action, une projection extraterritoriale de l'Union européenne, mais pas nécessairement de son droit, à travers ses opérations à mandat exécutif. Et finalement, il y a une sorte de paradoxe, dans la mesure où c'est peut-être à travers les opérations de gestion de crise à mandat non exécutif que l'on va avoir une influence, alors indirecte, mais peut-être plus importante, du droit de l'Union. Les opérations de gestion de crise à mandat non exécutif, ce sont donc les autres, les missions civiles et militaires qui expressément n'ont pas de pouvoir exécutif. Et donc, il va s'agir essentiellement non pas de se substituer aux autorités nationales cette fois-ci, mais de les conseiller, de les appuyer, ou alors de les former. On a de la formation militaire ou de la formation à la sécurité intérieure. Et donc, ces opérations à mandat non exécutif impliquent une moindre immixtion de l'Union européenne. Mais en appuyant, en conseillant ou en formant les personnels des États tiers, des autorités des États tiers, l'Union européenne va avoir l'occasion de distiller, les personnels de l'Union européenne vont avoir l'occasion de distiller les méthodes de l'Union européenne, les procédures, et d'avoir ainsi une sorte d'influence normative, alors qu'il y a une version un petit peu édulcorée ou discutée, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler pendant cette journée, de l'extraterritorialité normative. Mais donc, quelque part, quand il y a un mandat exécutif, on est plutôt sur l'exercice extraterritorial de fonctions étatiques, mais avec peu de place pour l'extraterritorialité normative du droit de l'Union, alors qu'on a peut-être plus de place pour une forme d'extraterritorialité du droit de l'Union lorsque l'Union se contente de fonctions un peu plus limitées, de conseils ou d'appui. Dans les quelques instants qu'il me reste, je voudrais aborder la troisième forme ou manifestation d'extraterritorialité que l'on peut identifier à travers les opérations de gestion de crise. C'est celle qui s'observe au regard des moyens d'action des opérations.
Là, il s'avère que c'est une troisième caractéristique de l'Union européenne qui est importante. Très souvent, elle implique d'autres États tiers. D'autres États tiers vont participer à la mise en œuvre des opérations de gestion de crise. Il y a plus d'une quarantaine d'États tiers dans le monde qui ont participé aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne. Et dans ce cas, on va avoir des États tiers qui vont donc avoir une action extraterritoriale via l'opération de l'Union européenne sur le territoire d'un autre État tiers. Donc, c'est une autre forme d'extraterritorialité qui est validée ou dont les opérations de gestion de crise se trouvent le vecteur. Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer énormément, mais là, il me semble que la question de la légalité se pose à travers l'obligation d'avoir vraiment le consentement de tous les acteurs. Pour que cette extraterritorialité soit légale, il faut que tous les acteurs soient effectivement d'accord, consentent. Alors, on a une combinaison d'accords de l'Union avec l'État participant et avec l'État hôte. L'État participant accepte l'accord, le contenu de l'accord de l'État hôte, donc ça assure globalement la légalité. Mais il faut aussi que l'Union européenne assure son contrôle, c'est-à-dire préserve son autonomie décisionnelle et que l'État tiers qui participe ne puisse pas prendre la main d'une façon ou d'une autre. Donc, l'Union européenne va assurer son contrôle, va préserver son autonomie décisionnelle et limiter le rôle des États tiers. Ça ne pose pas vraiment de soucis, c'est très organisé et c'est habituel pour les accords de participation aux opérations de l'Union basique, je dirais classique. Là où ça a posé plus de questions, et Cécile Rapoport en a parlé ce matin, c'est pour les accords qui ont été conclus dans le cadre des opérations de l'opération Atalanta de l'Union européenne, les accords de transfert de pirates, où là, effectivement, l'Union européenne a demandé à des États tiers de juger des pirates, enfin, a conclu des accords avec des États tiers pour leur demander de juger les pirates qu'elle appréhendait en mer. La difficulté ici, c'est que le statut de ces États tiers qui ont conclu des accords n'est pas aligné sur celui des États membres, puisque là, les États membres, eux, n'étaient pas impliqués. Seuls des États tiers ont repris cette fonction. Donc, en quelque sorte, l'Union européenne a délocalisé ou a sous-traité la fonction juridictionnelle à des États tiers, avec ici une problématique éventuelle sur la question du consentement, parce que la délimitation exacte de l'origine du lien éventuel entre l'État tiers qui accepte de juger les pirates et les pirates en question se pose. Dans certains accords, il y a un lien territorial ou personnel, dans d'autres, c'est beaucoup moins clair. Et il y a une deuxième question, la question de contrôle de l'Union européenne sur la façon dont ça se passe, puisque l'État tiers va appliquer pour juger les pirates son propre droit national. Donc là encore, on n'a pas d'extraterritorialité normative. Mais la question, il y a une forme de contrôle qui s'opère de l'Union européenne sur ces États tiers, mais il reste quand même relativement limité. Et une question qui a été beaucoup discutée, c'est la question du respect des droits de l'homme, où là, effectivement, la légalité du point de vue du droit international des droits de l'homme peut poser plus de questions. Donc, entre un accord dans lequel il y a alignement du statut des États tiers sur les États membres et d'autres où on a plutôt une logique de sous-traitance, la légalité est un petit peu différente et pose des questions un peu particulières. Donc, dans cette troisième hypothèse d'une extraterritorialité au regard des moyens d'action, on est plutôt ici sur une spécificité de l'Union qui est en fait, cette extraterritorialité, elle vise souvent à combler les lacunes de l'Union, le manque de moyens de l'Union, soit le moyen matériel, soit de compétences juridictionnelles. Et donc, c'est une autre forme de spécificité de l'Union, son incapacité ou son absence de certains moyens, le fait qu'on soit dans une logique intergouvernementale. Donc, cette logique intergouvernementale participe, et j'insiste depuis des années, au modèle de l'Union européenne. Et à travers la question des opérations de gestion de crise, on voit quels sont des vecteurs d'extraterritorialité consentis qui participent à la spécificité, l'affirmation de la spécificité de l'Union européenne par rapport aux autres organisations régionales, par rapport aux autres acteurs du maintien de la paix internationale. Et on met en évidence ici, alors peut-être pas une spécificité de l'extraterritorialité, mais en tout cas une variété de l'extraterritorialité du point de vue du droit de l'Union. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation des opérations de gestion de crise sous l'angle de l'extraterritorialité. J'ai vu en parallèle que les discussions commençaient à s'ouvrir et que les questions commençaient à être nombreuses sur le chat. Donc, c'est bien, ça veut dire que les interventions
suscite réaction. Donc, c'est une très bonne chose pour nos débats. Alors, je propose que pour les. Aussi parce que nos discussions ou nos débats sont enregistrés. Donc, du coup, je suggère que de reprendre un petit peu le fil de la discussion, si vous me permettez. Donc, il y avait une première question qui avait été posée. Peut-être, Marion, peux-tu résumer la réponse que tu as déjà apportée par écrit, mais tout le monde ne l'a pas forcément lu, puisqu'on écoutait Anne aussi en parallèle. La question qui a été posée par Cécile Rapoport sur la différence qui existe entre le devoir de vigilance et le devoir de diligence. Peut-être Marion, si tu veux répondre. Oui, pour être très brève, on peut dire que ce devoir de diligence, il est plus large parce que c'est un engagement comportemental des entreprises d'être responsables dans leurs activités économiques mondiales, et le devoir de vigilance, pardon, est une composante plus concrète et opérationnelle, donc la méthodologie qui va faire que ces entreprises vont mener une analyse de risque pour contrôler ces éventuelles violations et pourraient être sanctionnées. Merci beaucoup. Alors, ce que je suggère, c'est pour ceux qui, sauf si évidemment vous ne le souhaitez pas, mais je vois que certains ont posé des questions assez longues, peut-être est-il plus simple que vous preniez directement la parole, donc vous allumiez votre micro. Je vois Monsieur Ventura, Daniel Ventura a posé une question pour Patrick Jacob. Est-ce que vous voulez reprendre votre question ou vous voulez que j'en donne lecture Je peux la reprendre à l'oral. Allez-y, je vous en plaisir. Prie. C'est plus agréable pour les débats. Alors, c'était une question, une réflexion avant tout, effectivement, à destination de Patrick Jacob, et peut-être également dans une moindre mesure pour les autres participants. Voilà, je me demandais finalement si, quand l'Union européenne agit dans le but de défendre un certain ordre public international, donc quand l'Union européenne agit, eh bien, se fonde en fait sur des normes objectives de protection des droits de l'homme, est-ce qu'il faut vraiment parler d'extraterritorialité? C'est-à-dire que, est-ce que l'Union européenne, eh bien, donne véritablement une portée extraterritoriale à ces normes, comme peut le faire les États-Unis parfois, ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Alors, il est bien évident que quand l'Union européenne prend des régimes de sanctions, bien sûr, elle se fonde sur une norme habilitatrice qui est à chercher dans le TFUE, mais néanmoins, l'Union européenne, agit comme en fait un agent de la communauté internationale, au service de la communauté internationale. Voilà, on en revient en fait à cette idée classique de dédoublement fonctionnel, et je me demande si véritablement le terme d'extraterritorialité est le plus indiqué dans ce cas de figure. Alors bien sûr, ce cas de figure très précis, hein, je me fonde notamment sur le règlement du 7 décembre 2020 qui vient cristalliser un peu ce titre pour agir de l'Union européenne en matière de sanctions et de droits de l'homme. Merci. Merci. Patrick ? Oui, c'est une remarque tout à fait juste. Effectivement, on doit distinguer selon les motifs qui poussent un État à agir. Ceci étant, la mesure elle-même, les effets de la mesure et les raisons qui justifient la mesure en font, à mon avis, tout de même une mesure extraterritoriale. Dans certains cas, elle est prise pour la défense d'un intérêt national, dans l'autre, dans la défense d'un intérêt collectif, de l'intérêt de la communauté internationale et des États dans son ensemble. Ceci étant, il faut être vigilant là-dessus, parce que quand on regarde les mesures américaines en matière de lutte contre la corruption, on peut dire que les États-Unis agissent dans l'intérêt collectif, puisque tous les États ou presque sont partis à la Convention de lutte contre la corruption. Et pour autant, il peut y avoir un décalage entre le caractère objectif des obligations, comme vous l'avez présenté, et le caractère subjectif de l'appréciation de leur violation. Et c'est là qu'on peut avoir éventuellement un décalage. Et par ailleurs, j'ajouterais que certaines des obligations qui sont mentionnées dans le règlement de 2020 ne sont pas si consensuelles que cela, et leur appréciation pourrait être délicate. Si on retourne la perspective, si on imagine par exemple que la Russie adopte des sanctions contre des entreprises françaises pour la manière dont la France applique la liberté de religion, ça pourrait être éventuellement intéressant de voir si les obligations sont perçues comme si objectives que cela.
Alors, j'ai vu qu'Emmanuel Castellarin avait, avait un certain nombre de questions, donc on s'est mis d'accord par le chat interposé pour qu'il pose ses questions directement à l'oral. Donc, merci beaucoup, Isabelle. Naturellement, c'est toujours un peu frustrant, un chat, d'essayer de résumer toutes les questions qu'on voudrait poser, qui sont en réalité aussi un peu des remarques, mais j'essaierai d'être bref. Évidemment. Être bref aussi dans les questions. Tout d'abord, pour Loïc, la question était celle des moyens et de la volonté, parce que tu as insisté surtout sur le manque de moyens, mais j'ai l'impression parfois que c'est aussi un véritable manque de volonté de la part de certains États membres, même de certains secteurs de la société européenne, dans l'engagement, dans une action, je pense surtout à des sanctions extraterritoriales qui sont vues surtout comme une source de difficultés diplomatiques, voire même d'impérialisme. Donc, je me demande dans quelle mesure ça peut être intégré à ta réflexion. Pour Patrick, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Et je me demandais si dans ta lecture du règlement, de la décision, tu as vu plutôt des mesures, des sanctions qui seraient plutôt des rétorsions, donc qui seraient licites en tant que telles. Ou est-ce que tu as entrevu aussi de véritables contre-mesures, donc de mesures qui en soi seraient illicites, et bien, parce que je me pose la question de la cohérence de l'Union avec elle-même, sachant que ce que l'Union reproche aux États-Unis, c'est d'avoir méconnu certaines obligations, notamment d'accès au marché en matière commerciale. Il me semble qu'elle est beaucoup plus floue sur la compatibilité des sanctions secondaires avec le droit international général, en revanche, dès lors qu'il s'agit de ce qu'on a évoqué ce matin, donc théorie de compétences et compatibilité avec les principes de non-ingérence. Il me semble que les prises de position de l'Union sont beaucoup plus prudentes quant aux mesures états-uniennes que par rapport à la compatibilité avec le droit de l'OMC. Et enfin, la question pour Marion était en réalité une question, je dirais plus que de droit interne de l'Union, mais qui a un enjeu important pour l'avenir du devoir de vigilance aussi dans sa dimension extraterritoriale. Je sais que, et c'est vraiment une question pour une privatiste, je sais que la question de la responsabilité civile a été discutée, y compris au Parlement européen, lorsque la question s'est posée en commission. Pour certains, l'Union n'aurait pas de compétences en la matière, on n'aurait pas suffisamment de compétences. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'article 114 ou la liberté d'établissement suffirait pour établir un régime de responsabilité civile, y compris sur le plan interne, bien sûr? Merci beaucoup. Alors, qui répond? Patrick d'abord, Loïc d'abord? Vas-y. Comme vous voulez, moi, répondre. En fait, je suis tout à fait d'accord. En fait, j'avais esquissé sans doute la question, quand je disais que l'Union européenne, elle avait besoin de passer par ses États membres pour mettre en œuvre une véritable extraterritorialité de ses sanctions au regard de mimétisme avec la pratique américaine. Évidemment, pour en arriver là, il faudrait que les États en aient la volonté. Donc, si à la limite, certaines institutions de l'Union pouvaient en avoir la volonté, en tout état de cause, elles se heurteraient à un manque de volonté de l'État et l'Union n'a pas la capacité d'imposer sa volonté dans ce domaine-là. Évidemment, elle est tributaire de la volonté des États. Donc, je pense que c'est toujours un problème de moyens de l'Union, mais qui est un défaut de moyens de l'Union qui résulte d'un défaut de volonté des États. Patrick, tu voulais réagir aux observations d'Emmanuel? Oui, je me suis posé la même question qu'Emmanuel sur le caractère illicite en soi de ces mesures. Effectivement, ce n'est pas un argument qui a été beaucoup mis en avant alors qu'il l'est face aux mesures américaines. Je dois dire que je n'ai pas la réponse à leur caractère contraire à tel ou tel engagement particulier en matière économique, en particulier que ce soit accès au marché ou même peut-être protection de certaines entités, certains investisseurs éventuellement. Je me suis plutôt placé sur le terrain du droit international général en me disant… à supposer même qu'elle ne soit pas contraire à telle ou telle obligation, à tel ou tel accord économique, est-ce que ces mesures sont compatibles avec le droit international général? Et je pense qu'on peut se poser la question lorsqu'elles ne prennent pas la forme de réaction à un premier fait illicite, parce qu'à ce moment-là, je me demande si elles ne sont pas en tension, en tout cas avec le principe de non-intervention. Marion, sur la question de la,
de la compétence de l'Union européenne en matière de responsabilité civile. Oui, donc effectivement, dans le cadre des recommandations du Parlement de septembre dernier, il y a effectivement un régime de diligence qui est développé par la directive et qui prévoit sur le terrain des sanctions la mise en œuvre de la responsabilité civile de l'entreprise responsable et évidemment dans le cadre de sa chaîne de valeur, comme on le disait. Donc, c'est un mécanisme de responsabilité civile. Est-ce que l'Union européenne est compétente pour harmoniser un tel régime de responsabilité civile ? À mon avis, oui. Il y a plusieurs exemples qui le montrent. En marché intérieur, tu parlais 114 TFUE, on sait qu'effectivement, il y a des cas de responsabilité civile qui ont déjà été harmonisés. Je citerai le plus connu, qui est la responsabilité civile en matière de produits défectueux, qui est une très ancienne directive maintenant. Et je pense que les bases juridiques également en matière de liberté d'établissement et donc de droit européen des sociétés, hein, parce qu'on a quand même un très bel acquis en droit européen des sociétés, pourraient également être une base juridique. Et il est évident que ce régime de responsabilité civile est un apport très important pour un régime efficace de diligence. Donc, personnellement, j'y suis favorable. Et il y a une articulation également avec le droit international privé. Et le Parlement européen va plus loin puisqu'il propose aussi de modifier le règlement Rome 2 sur la loi applicable à la responsabilité civile, puisqu'on n'aurait pas ici un régime matériel international directement applicable, mais comme on a une directive, on a une diversité de droits nationaux, même s'ils sont rendus équivalents, donc la question de la loi applicable resterait pertinente. Donc il y a aussi un enjeu sur le terrain des règles de conflit de loi. Avant de donner la parole à Charlotte, puisqu'on a convenu en parallèle que je donnerai la parole à Charlotte, mais à Charlotte Beaussillon, je vois qu'il y a une question peut-être, Marion, toujours sur la question de la responsabilité civile, une question posée par Madame Sophia Galandi, qui te dit « Je suis intéressée par la discussion autour du régime de responsabilité civile des sociétés mères pour les actes des sous-traitants. N'est-ce pas là une condition préalable pour rendre la directive efficace ?» Qu'est-ce que vous en pensez du risque de due diligence defense, à savoir l'utilisation des plans de vigilance à titre défensif par les sociétés défendresses ? Puisqu'on était sur cette thématique-là, est-ce que tu veux compléter ? Oui, ce que je disais tout à l'heure va dans une réponse positive par rapport à cette question, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui, à mon avis, est un gage d'effectivité d'un régime européen de diligence, c'est d'avoir des sanctions fortes. Et la mécanique de responsabilité civile, c'est finalement le private enforcement qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de politiques européennes, je pense au droit de la concurrence. C'est l'idée qu'après, on doit payer le prix de ses fautes. Et donc, ça participe certainement de l'efficacité du régime, mais c'est évidemment un poids très important pour les opérateurs économiques. Et c'est la question de la responsabilité que j'évoquais tout à l'heure, de manière plus générale. Donc, ça pose des questions. Et après, la question du due diligence defense, bah, je dirais que là, on dépasse un peu la question de l'extraterritorialité. Donc, je n'irai pas plus loin sur ce point, mais c'est aussi un enjeu là qui est plutôt lié à la question du régime du devoir de diligence en général, en dehors de l'extraterritorialité. Merci beaucoup. Alors, Charlotte Boussillon, tu avais posé une assez longue question dans le chat, donc je te laisse peut-être résumer tes nombreuses questions. Je ne sais pas si tu es… Alors, je me permets de… Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, on t'entend. On ne te voit pas, mais on t'entend. Vous ne me voyez pas. C'est Cécile, hein, là, qui parle. Ah, c'est Cécile, pardon. Oui, parce qu'en fait, je viens d'avoir Charlotte qui a perdu la connexion, donc elle essaye de se reconnecter désespérément. Alors, j'ai eu un message en parallèle de… Son Internet qui a crashé, donc c'est un peu plus, sensible. Alors, je veux pas… Et alors, Alan voulait poser une question à Marion aussi, je crois. Alan ? Et j'avais aussi une question, mais du coup, je prends pas… Bah, tu verras, vas-y, après. Il n'y a pas de souci. Ça se bouscule en fin d'après-midi. Vas-y, Alan. Ah, merci beaucoup pour ces interventions dont la richesse est illustrée par le nombre de questions, justement. J'avais une question pour Marion Audac, parce qu'il me semble, mais peut-être que je me trompe, que la proposition européenne
a pour origine en fait des lois nationales, notamment la loi française de 2016 et il me semble une loi néerlandaise aussi. Autrement dit, la réflexion que je me faisais, c'est que finalement, et c'est à rebours de ce que disait Loïc Robert tout à l'heure, que finalement c'est l'incapacité des États membres à faire de l'extraterritorialité compte tenu de la nature des chaînes de valeur et de leur poids économique qui fait qu'ils en appellent finalement à l'Union pour que celle-ci puisse prendre des mesures qui auraient potentiellement un effet extraterritorial, des mesures unilatérales. Et donc voilà, c'était ma réflexion et je crois que en fait les lois, la loi française notamment, n'a pas vraiment été appliquée. Il me semble qu'au niveau des décrets d'application, il n'y a pas eu grand-chose, mais je peux me tromper parce que je ne suis pas vraiment spécialisé dans le sujet. Et j'avais une autre question sur les chaînes de valeur et cette façon en fait dont les États sont aujourd'hui tentés de s'attaquer parfois à la façon dont les entreprises utilisent certains produits ou certains logiciels. Je pensais quand même un peu à l'affaire Huawei avec les États-Unis qui interdisent à un opérateur chinois d'utiliser telle ou telle application, d'utiliser aussi des semi-conducteurs américains. Et ce qu'on n'assiste pas ici, alors en Europe, ça se fait à travers les droits humains, le devoir de vigilance, aux États-Unis à travers la sécurité nationale, mais ici, il y a une irruption des États qui cherchent à reprendre la main sur la structuration des chaînes de valeur. Voilà, c'était une réflexion de ma part. Je ne sais pas ce qu'en pense une internationaliste privatiste. Merci beaucoup, Alan. Tous ces commentaires sont évidemment très, très riches. Sur l'articulation entre les droits nationaux et le droit de l'Union sur le devoir de diligence, oui, effectivement, on a des acquis en droits nationaux. On a le droit néerlandais sur l'interdiction du travail des enfants. C'est aussi un texte qui a eu du mal à rentrer en application. On a aussi le droit britannique sur l'interdiction de l'esclavage moderne et puis la loi effectivement de 2017 française. Alors je ne suis pas spécialiste du droit français de la vigilance, malheureusement je vais certainement par contre le devenir pour rédiger cette contribution, pour renforcer la comparaison, mais effectivement de manière globale, sans aller sur le fond de ces régimes juridiques particuliers nationaux, il est évident que dans la logique de commerce international, que ce soit un commerce international marché intérieur ou un commerce international mondial, l'action isolée d'un État n'est pas suffisante et peut en plus mettre en difficulté les opérateurs nationaux concernés qui du coup se retrouvent sous le poids d'un régime qui n'est pas partagé par les opérateurs voisins. Donc on est dans le leveling playing field au niveau national et effectivement une prise en main européenne ici a un sens économique au-delà donc du sens politique ou de la vision identitaire global governance dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, je suis assez d'accord avec ça. Sur la reprise en main par les États de la chaîne des chaînes de valeur, leur intervention, je dirais qu'il y a peut-être, alors ça, une analyse d'économiste pourrait être intéressante, mais dans les lectures que je faisais, il y avait deux remarques qui pouvaient aller en ce sens. Une qui disait que probablement un élargissement et un caractère contraignant surtout de ce devoir de diligence pourrait à terme contribuer à une croissance plus vertueuse au niveau du marché intérieur et peut-être au niveau mondial. Donc effectivement, la croissance vertueuse, les États en rêvent. Donc ça pourrait être un premier élément de réponse. Et puis du point de vue des consommateurs aussi, on est dans une logique où un certain nombre de consommateurs, le consommateur européen, ici je le vise en premier lieu, est en recherche d'une consommation plus responsable. Et c'est aussi du coup des opérateurs qui ont une meilleure réputation parce qu'ils sont astreints à ce régime de diligence. Donc c'est peut-être aussi un élément qui peut justifier l'intervention des États. Voilà, c'est des toutes petites réflexions, Alan.
Merci Marion. Donc je vais pouvoir donner la parole à Charlotte Beaussillon, puisque je pense qu'elle est revenue. Je suis revenue. Merci beaucoup. J'ai eu un problème de connexion Internet, donc j'ai perdu une partie des débats. J'en suis désolée. Et merci pour toutes vos interventions. J'ai l'impression qu'un certain nombre des points que j'avais soulevés dans le chat ont été déjà abordés. Donc je pense que c'est inutile de les rappeler. Et probablement, on aura l'occasion d'en rediscuter demain. Matin. Peut-être un point finalement sur un élément assez transversal de ces discussions, c'est l'interprétation qu'il convient de donner à ces normes. Patrick, tu parlais de la manière de mettre en œuvre les normes, aussi de la manière de concevoir leur degré d'universalité. On parlait de Huawei. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la loi américaine intitulée « Préservation de l'indépendance énergétique de l'Europe ». Et c'est assez intéressant de voir comment finalement on peut s'ériger comme puissance normative, y compris en voulant protéger des intérêts tiers officiellement. Donc je pense qu'il faut se méfier des labels ou des étiquettes qu'on pose sur ces interprétations, dans la mesure où, on le sait bien, cette loi, elle vise plutôt le projet Nord Stream 2 qui touche l'approvisionnement de l'Europe en gaz liquide. Et je pense qu'il faut faire attention à la perméabilité de ces étiquettes normatives et donc du mobile et de ce que l'on fait. Et finalement, j'imagine qu'on en reparlera demain, vraisemblablement avec Marion aussi, et puis Nicolas Pigeon, sur cette notion de level playing field. Je m'interrogeais sur la question de savoir jusqu'où est-ce qu'un acteur pouvait, ou une entité comme l'Union européenne pouvait imposer des conditions normatives très restrictives à ces opérateurs économiques. Tu parlais de responsabilité extraterritoriale, je trouve que c'est très intéressant comme concept. Et jusqu'où, quel est le point d'équilibre auquel finalement des grands blocs économiques sont obligés de négocier pour maintenir cette concurrence entre leurs opérateurs. Mais voilà, c'est des questions plus larges. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir aux questions qui n'en étaient peut-être pas complètement de mais qui peuvent susciter des réponses de Charlotte? Si, c'était bien des questions, nous dit Charlotte. Alors, qui veut réagir? Patrick, vas-y. Oui, peut-être d'un mot pour poursuivre un peu la discussion. Je crois que c'est assez intéressant quand même de voir que la même technique juridique est mobilisée pour poursuivre des fins très différentes. Et l'exemple américain le montre assez bien. On a le Magnitsky Act d'un côté qui ressemble au Magnitsky Act européen, évidemment, et pour cause. Donc avec des objectifs qu'on peut juger louables, un dédoublement fonctionnel, on agit au nom de la communauté internationale dans son ensemble. Et puis on va utiliser les mêmes techniques pour promouvoir parfois les intérêts américains, les sanctions contre la CPI par exemple, ou l'indépendance énergétique de l'Union européenne avec l'affaire Nord Stream 2. Donc la technique juridique est la même, mais le fait que les objectifs soient différents, je pense, doit conduire à une lecture différente de ces systèmes. La grande difficulté, c'est à partir du moment où on s'engage dans cette analyse un peu plus fine que de dire ce qui est territorial, ça va, ce qui est extraterritorial, ça ne va pas, c'est qu'il y a une grande porosité entre les mesures et que des mesures qui sont prises pour lutter contre la corruption peuvent être en fait des mesures en défense des intérêts économiques d'un État et vice-versa peut-être. Donc c'est assez complexe. Cécile, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais. Ça rejoint un petit peu la discussion qui était amorcée à l'instant entre Charlotte et Patrick et je voulais rebondir également sur la distinction qu'il faisait, qui est un peu en lien entre la dimension universelle des droits de l'homme et l'appréciation objective de ces mêmes droits. Et je voulais signaler à cette occasion que si on regarde le préambule de la décision PESC sur les sanctions en matière de droits de l'homme, on voit bien qu'il s'agit bien d'agir pour répondre aux menaces contre les objectifs de l'action extérieure de l'Union pour atteindre les objectifs de l'action extérieure de l'Union, c'est-à-dire que l'Union, même si elle affirme l'universalité des droits de l'homme, il s'agit bien d'agir au regard de ses objectifs de politique étrangère et pas d'une éventuelle reconnaissance d'une violation qui aurait été internationalement établie au préalable. Et là, il y a quand même, me semble-t-il, un élément intéressant dans les sanctions qu'elle met en œuvre, cet attachement à ses propres objectifs ou à ses intérêts.
qui est quand même mis en avant et qui est assumé dans les dernières décisions, dans les derniers systèmes horizontaux de sanctions en tout cas. Et je voulais également faire écho à une discussion qui avait lieu un tout petit peu plus tôt dans les débats et qui a été évoquée un petit peu à la fois par Loïc Robert et par Patrick Jacob sur le fait que à la fois on a des mesures territorialisées quand on prend le cas des sanctions par exemple. Et en même temps, dans un certain nombre d'hypothèses, l'Union est quand même dépendante de ses États membres pour la mise en œuvre. Là encore, même dans les sanctions unilatérales, notamment le gel des avoirs ou les interdictions de transit, etc., où l'Union dépend quand même de ses États. Alors, certes, il y a une obligation qui pèse sur eux, mais si on regarde les hypothèses qui sont prévues dans ces différents régimes de sanctions, il y a parfois des hypothèses de dérogation pour des motifs humanitaires ou la possibilité pour l'État de déroger à certaines, de dégeler certains avoirs, d'autoriser à certaines occasions précises le transit ou l'arrivée sur le territoire de l'État membre. C'est bien l'État l'État membre qui va accorder la dérogation. Il va certes en référer ou la notifier à la Commission, mais il y a bien une mise en œuvre et une démise en œuvre par l'État. Ce qui fait qu'en fait, même sur des choses très territorialisées sur lesquelles l'Union a en principe une grande maîtrise, même si il n'y a pas a priori, à ma connaissance, d'usage abusif de ces dérogations par les États membres, il y a quand même toujours cette spécificité de la nature de l'Union qui vient potentiellement créer une application même territorialisée qui peut être à géométrie variable dans certaines hypothèses un peu précises. Voilà, c'est juste pour apporter cette précision. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres... Non. Alors, je vois qu'il est 17h10, donc je me tourne vers les organisateurs du colloque. Est-ce que je clôt les débats et les discussions pour la journée ? Excusez-moi, je voulais poser une question également. Ah, pardon, excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Je l'avais mise dans le chat. C'était pour... Pardon, il y a eu beaucoup d'échanges. Alors, j'ai possiblement raté un échange. Allez-y, je vous en prie. Pas de souci. C'était pour Marion Audac. Je lui ai envoyé en message personnel, mais je l'ai envoyé aussi à tout le monde. C'est une question sur la diligence en matière de lutte contre la traite des êtres humains, parce que la responsabilité des entreprises dans le contrôle du respect des droits de l'homme par leurs sous-traitants, c'est quand même un sujet qui concerne aussi... l'Union européenne et l'extraterritorialité, notamment à travers le règlement 2011-36. Et je voulais savoir ce qu'elle en pensait, quel était son avis et de quelle manière les entreprises pouvaient être des acteurs de ce respect des droits de l'homme. Merci beaucoup. Oui, merci. Je ne sais pas exactement à quel règlement vous faites référence, mais ce qui est sûr, c'est que dans le régime général de diligence qui est actuellement en discussion, et si on prend appui déjà sur les recommandations du Parlement de septembre dernier et les discussions, les différents amendements qui sont discutés, c'est ce type de comportement qu'il s'agit d'appréhender à travers un cadre général de diligence tel qu'il est pensé. C'est appréhender les violations des droits humains dans la chaîne de valeur. Donc, ça peut se manifester par le travail des enfants, par du travail forcé, des conditions de travail non dignes, on pourrait dire, et après, plus largement, des atteintes à l'environnement, par exemple. Donc, il y a et la bonne gouvernance également de sociétaire. Donc, il y a trois blocs qui sont visés par ce devoir de diligence, dont celui que vous mentionnez, il en fait donc a priori partie. Donc, effectivement, ça devrait être un des éléments de ce régime européen général de diligence, qui serait donc sanctionné par le droit de l'Union européenne. Merci beaucoup. Bien, est-ce que cette fois, je vais prendre la précaution quand même de vérifier que je n'ai oublié personne ? Vous avez encore la possibilité ? Non ? C'est bon. Alors, il me reste donc à remercier tout le monde, à remercier les intervenants pour leur contribution très, très riche et très stimulante. Et puis l'audience, l'assistance, même de loin, a été très, très, très active et a très largement contribué à animer les débats. Donc, merci beaucoup à tous.
Je vais donc clore la journée et vous souhaiter donc une bonne soirée. Je pense qu'on se retrouve demain matin. Peut-être Alan, si tu veux dire un petit mot sur le rendez-vous, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des... On prend à 9h30, donc demain matin. On souhaite à tout le monde de se reposer les yeux ce soir. Et donc, on reprendra avec des débats qui, je pense, prolongeront la discussion que l'on vient d'avoir et qui était de grande qualité. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne soirée à tous. Merci. Ajouter juste un petit détail. N'oubliez pas d'utiliser le lien de connexion dédié à la réunion Zoom de demain pour éviter de vous tromper de lieu de réunion, si je puis dire, de lieu virtuel de réunion. Et vous indiquez que, sauf contre ordre, nous aurons une invitée surprise dans le cadre du panel numéro 5, puisque Madame la députée Marie-Pierre, députée européenne Marie-Pierre Vellerenne, qui a manifesté son intérêt pour nos travaux, viendra nous écouter et aura peut-être quelques commentaires à faire, notamment sur cette question des sanctions américaines, puisque je crois que c'est une préoccupation qui lui tient à cœur. Donc voilà, je mets fin au suspense. Vous savez qui est l'invité surprise, donc c'est plus vraiment une surprise, mais au moins vous êtes prévenus. Voilà. Très bonne soirée et à demain, j'espère. Au revoir.